Les amis, je connais des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont des moyens suffisants, mais chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils ont toujours un problème. Soit c'est la voiture qui tombe en panne, soit alors c'est un enfant qui tombe malade, soit c'est une sollicitation de la grand-mère qui est malade, de la maman qui doit être hospitalisée. Bref, il y a toujours un problème. Croyez-vous vraiment que cet homme ou cette personne qui gagne beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent ou qui gagne bien, plutôt bien sa vie, est quelqu'un d'heureux? Je vais simplement vous rappeler que c'est Dieu qui enrichit, les amis. C'est Dieu qui enrichit. Ton travail, oui, il peut te donner de l'argent, mais c'est Dieu qui enrichit. Pouvoir profiter de ton argent, c'est une grâce de Dieu. Alors ne l'oublie pas. Chaque fois que tu travailles, prends le temps à la fin du mois de faire une offrande au Seigneur et de dire, Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui me donnes la force de pouvoir travailler, la force de gagner ce que je peux gagner et surtout la force de pouvoir profiter de ce que tu me donnes. Fais toujours cela. Et les offrandes sont un bon moyen justement de reconnaître que Dieu est notre source. Donne des offrandes de manière généreuse, sans contrainte ni tristesse, mais en reconnaissant que c'est Dieu qui te donne la force de travailler, mais également de profiter du fruit de ton travail. Que Dieu te bénisse. À très bientôt sur Sagesse Financière. Je suis Jerry Daniel et je partage de manière hebdomadaire sur ma newsletter des conseils et des astuces, des réflexions autour de la sagesse financière, selon ce que le Seigneur me met à cœur. Allez, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.